Au centre-ville de Dijon, cette petite enseigne ne passe pas inaperçue. Ah bon, fond, ça se trouve au dictionnaire, ça? Dans un vieux dictionnaire français. En fait, c'est le préfixe AB, c'est du vieux français, du latin, et ça veut dire arrière au quatrième degré. Et nous, on l'a mis devant enfant, parce qu'on voulait déjà les initiales de nos prénoms, à Florian, à moi et mon enfant, et parce qu'on voulait faire une cuisine de grand-mère. Et c'est un concept un peu particulier, hein. Oui, 100% local, donc ils n'utilisent que des produits disponibles en France. Donc si un produit n'est pas français, par exemple le café, qui est issu par exemple du Brésil, alors ils ne l'en vendent pas. Ils vendent un dérivé du café. C'est bleu, blanc, rouge, c'est cocorico. 100% français. Et ce soir, c'est la volaille de Bresse qui se sacrifie pour offrir un cours de découpe à Jonathan. Ici en France, ils vendent également les poulets en entier, donc il faut retirer le cou, il faut retirer une partie de la cuisse, une partie de l'aile. Donc il faut vraiment découper pas mal de parties. Après, on a les sauces qu'ils m'ont appris. Ils m'ont appris comment faire des gels à base de tout liquide possible. Ils m'ont expliqué comment ils transforment leurs fruits secs en poudre. Parce que tout ce qu'ils ne peuvent pas utiliser, ils le transforment en poudre pour l'utiliser dans leur préparation. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené dans la cuisine? Moi, plus tard, j'aimerais devenir traiteur, qui est un petit peu dans la même idée, qui n'a jamais eu de beaux souvenirs autour d'une bonne table. Donc moi, j'aimerais bien fabriquer des rêves inoubliables. Mais pour réaliser son rêve, Jonathan doit d'abord se faire une place en cuisine. Elle est toute petite, vous marchez pas sur les pieds? Non, la cuisine est extrêmement bien agencée, parce que justement, vu que c'est une petite cuisine, tout est millimétré pour que tout se passe bien. J'imagine que ça change de l'école hôtelière. C'est sûr, notre cuisine est beaucoup plus grande, mais justement, c'est le point positif, c'est qu'on apprend à cuisiner dans d'autres situations. On ne voulait pas quelque chose de grand, on voulait quelque chose de familial, convivial, où on se sent bien, où la cuisine est ouverte, où les clients voient tout ce qui se passe, on ne cache rien. Tu vas leur voler quelques recettes? Un petit peu, mais faut pas leur dire.